Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder l'organisation de l'entreprise, puis la coordination et la prise de décision. Alors, une bonne organisation d'entreprise va assurer à celle-ci sa réussite et cela va lui permettre aussi d'anticiper de traiter les problèmes, d'économiser du temps, donc de l'argent, de conserver et de retrouver toute information utile rapidement. C'est le principe de l'organisation, et de diffuser rapidement toute information aux acteurs de l'entreprise. Alors nous allons voir quelles sont les principales fonctions de l'entreprise. Première fonction qui est la fonction administrative, généralement dédiée à la direction. Nous avons aussi la fonction financière et comptable, qu'on appelle la gestion, hein, c'est-à-dire l'enregistrement et classement des documents commerciaux. Nous avons aussi la ressource humaine, c'est-à-dire la fonction gestion du personnel, où on va réaliser les embauches, les plannings de départ en vacances, etc. Dans certaines entreprises, principalement les entreprises industrielles, nous aurons une fonction de production, de transformation, que nous appellerons la fonction technique. Bien entendu, il faut vendre l'ensemble des produits, donc nous aurons une fonction commerciale, achat, vente, service après-vente. Et nous pouvons aussi trouver dans des entreprises un peu plus importantes la fonction logistique qui va gérer les stocks. Bon, ces fonctions ne sont pas restrictives, nous pourrions aussi avoir les fonctions recherche et développement et autres. Alors, il existe différents modes d'organisation d'une entreprise. Pour le niveau des bacs professionnels, nous allons en aborder trois, c'est-à-dire la structure hiérarchique, fonction-service, la structure fonctionnelle, et la structure divisionnelle. Alors commençons par la structure hiérarchique qui est généralement la forme la plus simple. Elle a été mise en place par Henri Fayol qui était un ingénieur français pionnier de la gestion d'entreprise. Alors souvent les structures sont représentées par un organigramme. Prenons l'organigramme de Yon Équitable. Sur celui-ci nous y trouvons des rectangles. Chaque rectangle représente généralement un service. Vous voyez, service, donc direction administrative, c'est tout ce qui est lié au service administratif. Chaque trait, que ce trait soit horizontal ou vertical, va représenter une relation entre services. Donc vous voyez ici, exemple, dans le service administratif, on a une relation avec la comptabilité fournisseur. Les relations peuvent être de plusieurs ordres. Relations hiérarchiques. Par exemple ici, Guyot est sous les ordres de Madame Cartier, sa directrice administrative. Nous pouvons aussi avoir des relations de coopération. Généralement, ce sont des salariés de services différents qui accomplissent des tâches plus ou moins identiques. Donc, on pourrait nous ici avoir, par exemple, les hôtesses de caisse qui, elles, sont dans le même service mais qui ont des informations de coopération, des relations de coopération. Et puis nous avons en dernier des relations d'information qui peuvent partir de la direction jusqu'au salarié, mais qui peuvent être aussi en sens inverse, qui peuvent aller du salarié vers les différentes structures supérieures, chef de service ou directeur. Alors bien entendu, cette structure a des avantages que nous allons aborder. Donc premier avantage, c'est qu'un salarié ne reçoit d'ordre que d'un seul chef. Comme vous avez pu le voir, un salarié dépend d'un seul chef. Ce qui fait que la structure est claire, les rôles sont bien déterminés, les fonctions de chacun sont aussi bien définies. C'est un peu une organisation militaire, où donc l'organisation est disciplinée, chacun connaît sa tâche et son supérieur hiérarchique. Alors, les inconvénients. Il y a peu ou pas de délégation de pouvoir. Le chef décide de tout. Ce qui va entraîner un manque d'initiative de la part des subordonnés. Ils vont se recentrer sur le chef, c'est lui qui va décider. On peut avoir une mauvaise circulation d'informations, surtout dans des structures très longues. Pour partir du chef et arriver jusqu'au salarié de base, cela peut prendre du temps. Et puis, bien entendu, dans des structures, des entreprises très importantes, c'est une structure qui est inadaptée puisque elle prend trop de temps.
Alors voyons maintenant une autre structure qui est la structure fonctionnelle, qui elle a été mise en place par Frédéric Fayol, qui est un ingénieur américain, qui est le promoteur de l'organisation scientifique du travail, c'est-à-dire la spécialisation de l'ouvrier. Voyons cette structure et là nous voyons que nous avons par exemple deux chefs, trois salariés, trois ouvriers, chacun va être spécialisé dans son domaine et l'ouvrier va avoir deux chefs. On part du principe que un contremaître ou un chef ne peut pas posséder toutes les connaissances. Donc le subalterne, c'est-à-dire l'ouvrier, doit avoir plusieurs chefs pour avoir des compétences complémentaires. Alors, voyons les avantages. Alors, le premier avantage, c'est que le salarié, étant donné qu'il est spécialisé, il est préparé et formé à une tâche très déterminée. Ça, c'est vraiment lié à l'organisation scientifique du travail. Deuxième tâche, la communication va être beaucoup plus rapide, hein, puisqu'on n'aura pas la structure hiérarchique. L'exécution des tâches est donc de qualité, puisque le salarié est, lui, spécialisé. Alors, bien entendu, il y a un certain nombre d'inconvénients. C'est que l'entreprise va disposer, enfin le salarié va avoir plusieurs responsables. C'est ce qu'on appelle la dilution d'autorité. Donc chaque chef peut dire l'inverse de son collègue. Donc ça va entraîner des risques de conflit d'autorité. Et puis, difficulté de coordination, puisque chacun va voir le fonctionnement de l'entreprise du seul point de vue de sa fonction. Et à partir de là, on va encore retourner sur des conflits d'autorité. La troisième structure que nous allons aborder est la structure divisionnaire. Alors, la division est basée sur des domaines d'activité. On va structurer l'entreprise soit par produit, soit par circuit de distribution, circuit court, circuit long, soit par type de client, soit géographiquement. Nous allons l'aborder, cette division, dans l'organigramme suivant. Donc, sur l'organigramme suivant, on a une division par produit. Donc on voit que pour le produit A, nous aurons une direction achat, une direction de production, de vente et une direction du personnel. Ce sera la même chose pour le produit B et le produit C. Alors nous pourrions avoir une division par région, division géographique. Par exemple, au lieu de produit A, nous pourrions avoir France, avec une direction achat pour France, production, etc. Nous pourrions avoir ici Europe, et au lieu du produit C, reste du monde. Vous voyez, l'entreprise va devoir adapter sa structure à ses besoins. Alors, les avantages de cette structure divisionnelle sont, bien entendu, une souplesse, une capacité d'adaptation au marché. On est beaucoup plus réactif, tout simplement parce que on est proche du marché du produit. La structure, mettons, du produit A, elle maîtrise parfaitement tout ce qui est lié au produit A, donc elle peut réagir très vite. Il y aura des contrôles beaucoup plus fréquents des divisions, parce que là c'est une structure lourde, donc les contrôles vont permettre de mesurer les performances de chaque division, c'est-à-dire ici dans notre exemple, de chaque produit. Et il y a une autonomie de décision. La division produit A, étant donné qu'elle a des directeurs, elle va un petit peu se comporter comme une petite entreprise produit A. Alors voyons les inconvénients. Bien entendu, comme chaque entreprise, chaque division va se comporter individuellement, on va peut-être perdre la culture d'entreprise, c'est-à-dire l'esprit global de l'entreprise. Il n'y aura pas d'économie d'échelle. Comme vous l'avez vu dans l'organigramme, nous avons plusieurs fois le directeur des achats, plusieurs fois le directeur des ressources humaines. Donc on a des doublons, ce qui fait que l'entreprise va quelque part perdre de l'argent à avoir ces doublons. Et c'est souvent ce que cherchent les entreprises, c'est à faire des économies d'échelle. Donc là, la structure étant tellement importante qu'on va perdre ce système d'économie d'échelle. Et puis, il peut y avoir une concurrence entre les divisions, tout simplement parce que comme elles sont contrôlées et qu'on mesure les performances, il y a un esprit de compétition qui va se développer. Alors, abordons maintenant comment sont prises les décisions et la coordination de l'entreprise. C'est-à-dire que le management d'une entreprise nécessite de prendre des décisions qui sont généralement de trois niveaux. Alors, le niveau le plus bas, on va dire, c'est ce qu'on appelle les décisions opérationnelles, c'est-à-dire la gestion courante de l'entreprise. Ce sont des décisions que l'on va prendre à court terme, avec un effet immédiat,
Généralement, c'est le chef de service, voire un exécutant, un salarié, qui va prendre ces décisions. Comme exemple, nous pouvons passer des commandes, des livraisons, etc. Le niveau supérieur, c'est ce qu'on appelle les décisions tactiques, qui concernent les ressources de l'entreprise, comment les utiliser. Donc là, nous allons voir que ce sont des décisions sur le moyen terme, qui vont se prendre dans un délai très bref, et généralement par un directeur. Choix d'un fournisseur, campagne publicitaire, sont des décisions tactiques. Les décisions les plus importantes, qu'on appelle les décisions stratégiques, elles vont engager l'entreprise sur une longue période. Donc c'est du long terme, avec des effets durables, et là bien entendu c'est la direction générale qui va les prendre, ces décisions stratégiques. Quelques exemples. Mise en place d'un nouveau produit, rachat d'un concurrent, mais ça pourrait être aussi l'investissement sur une nouvelle chaîne de production, etc. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon et je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. Au revoir.